Et nous revoici pour la suite de l'actual play, eh bien Ghostbusters franchise. Alors ça s'est dit avec un accent mais pourri au possible. On est toujours avec Mehdi Melzassar, Bigby, MJ Masqué et Basile Petit pour cette partie. Et on va pouvoir reprendre là où nous en étions. À savoir que vous veniez de capturer, bravo à vous, un fantôme de catégorie 4 qui sévissait dans le studio 52 des studios Universal. Et une fois que vous l'avez capturé, il y a un régisseur qui s'est approché de vous pour vous dire « Ah, c'est impressionnant ça, mais vous avez capturé tous les fantômes de, du studio, patati patata. » Bah oui, parce que le film Recall se traîne un sacré nombre de casseroles. Et donc, il doit y en avoir pas mal. Sur cette phrase, il est appelé et il dit « Bon, désolé, je peux vous laisser. » Et il s'en va. « Mitchell, je fais le christasme, m'abandonner de vite. » Mitchell, attends, attends, je panique. Tiens. Non, ça c'est une banane. Et je lui tape dans le dos de manière hyper franche. Citer l'épître aux Corinthiens, c'est apaisant. J'ai trop dansé. Et dans ma poche, je te sors un chewing-gum. Tiens, c'est extra chlorophylle. Ça veut dire qu'ils sont ultra fraîcheurs. Merci. Je peux en avoir deux. Bon. Chers collaborateurs, nous avons visiblement un potentiel financier non négligeable, vu l'annonce de ce cher monsieur. Et peut-être que je pourrais payer les heures sup après cette mission. Oh, la bonne nouvelle. Oh bah ça va changer de la mairie, ça je te le dis. Eh, c'est vrai ça, pourquoi vous payez pas les heures sup d'habitude? Parce que vous avez signé le contrat tel quel. Et vous avez pas négocié. Les heures sup, et les heures de nuit, et les dimanches, et les jours fériés, aha! J'y connais peut-être un petit peu deux, trois trucs. Peut-être que vous aurez une mutuelle. Oh, avec, le luxe. Avec les soins dentaires. Oh, bah j'en ai des chicots à remplacer, je te le dis. Mitchell, ne cède pas, il est en train de tapater là. Résiste. Eh, mais attends, ça fait 30 ans que j'ai pas le chicot du faux, moi. On veut des heures sup. Une bonne mutuelle. On veut être payé toutes les heures sup qu'on n'a pas eues à partir de maintenant. Sinon, on fait la grève avec Mitchell. Ouais. Très bien. Jojo, notez bien tous les dépassements de budget sur le devis, comme ça, sur la note finale. Écoutez, on verra ce qui est possible. Je note pas dessus. Et un sou. Yes. Merci, Bobby. Yes. Oui. Moi, je m'approche discrétos de Mitch et je lui dis, mais si te manque des chicots au fond, pourquoi tu les achètes pas? Parce que c'est un peu cher, ma bichette. Franchement, ça vaut une blinde. Pourquoi tu demandes pas à ton père? Ah, bah, tu sais, moi, mon père, ça fait quelques années qu'il est plus là. J'ai pas ton âge, tu sais. Hein. Bah, alors, tu sais quoi, Mitch, demande, s'il vous plaît. Demande à mon père! Tu passes, tu peux se concentrer sur la mission. Attends, on parle ces chicots, c'est important là. On en reparle après la mission, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, je te le dis. Bah ouais, attends, pas vivre sans chicots. Bon, très bien. Visiblement, l'apparition est décédée sur le tournage, on peut supposer, en tout cas dans ce studio. Elle est morte au milieu du set, et peut-être qu'il est temps de connaître un peu plus l'historique des mésaventures des personnes qui ont travaillé ici. Mm-hmm. Il en reste encore six. Peut-être que ce monsieur Thompson, qui avait l'air bien au courant, pourrait être une source d'informations précieuses, qu'en dites-vous? Et là, le gars qui était là avec nous il y a 3 minutes. Ouais, ben quoi? Bah c'est un des rares qui reste encore dans le studio alors que tous les autres sont partis. C'est à lui qu'il faut parler. Et t'as vu... C'est logique. Tu penses que c'est un Inca? Depuis tout à l'heure, il leur a dit là, le Real Spaghetti là, il leur a dit quoi? Il leur a dit fin de journée, tout le monde est rentré à la maison, on reprend un matin. Donc ils sont tous partis, pour la plupart. T'as bien vu là, depuis qu'il y a tous, on a croisé plus personne. Après, sauf lui qui était là comme par hasard. Donc moi je dis, faut voir lui. Quelle heure il est, j'en sais rien. Je regarde sur mon téléphone, il est quelle heure là? Là, il est 17h. Il reste encore quelques heures avant qu'il fasse nuit.
Je regarde dans mon carnet d'adresses si j'ai pas un des producteurs dans mes contacts, quelqu'un qui pourrait me parler un petit peu. Alors, lancement à D20 sur un 5 ou moins, t'as le contact. Eh bien, je ne l'ai pas. Il y avait ça m'étonne pas. Pourtant, j'ai traîné dans ce milieu hein, quand même. La télévision, le cinéma, bonnet blanc et blanc bonnet. Mais t'étais pas curé, toi ? Oui. Ça a l'air d'avoir curé, la vie. Je vais faire comme si j'avais pas pris ombrage. Mais curé sur satellite. Bah, les curés, c'est un peu ceux qui écrivent des comics dans la littérature, quoi. J'étais sur le canal 112 des abonnements premium. Bon, est-ce qu'on se fait... Surtout le dimanche. Est-ce qu'on se ferait pas un plan plutôt, Bobby ? Tout à fait, tout à fait. Les plans, c'est de l'argent. Ouais. Alors, moi, je propose qu'on les provoque. Ah, comment tu veux faire ? Eh ben, on fait une reconstitution de scène. Tu veux qu'on danse la bachata sur la scène tous ensemble ? Peut-être, mais on pourrait faire un film. Tu vois ? Prendre les instruments, les actionner, mettre comme si tout, tu vois, comme si la machine reprenait. Parce que si j'ai bien compris, j'ai cru voir que les fantômes, ils s'activaient un petit peu quand ça tournait. C'est bien ça, ils n'arrivent pas à tourner. Il est vrai, il est vrai. Écoutez, voilà. J'ai toujours rêvé de voir porter à l'écran le mythe de Jonas et la baleine. Ouais. Ça me semble bienvenu. Et puis, on a un super rapport. J'ai texte sur moi. Oh, oh, oh! On se concentre là ? C'est quoi ces plans foireux à tout bidon que vous dites là ? On va faire un film, un truc avec une baleine, mais oh 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 ! On cherche quoi là ? On cherche à provoquer les apparitions. Non mais allô ! On va parler avec les gens. Il a dit tout à l'heure, il faut qu'on sache un peu le passé de tout ce qui s'est passé ici. Donc on va aller voir le monsieur de tout à l'heure, on va lui parler. Et si vous voulez préparer votre film, je vais aller voir le monsieur toute seule. Je sors le papier de récap qu'on m'a donné. Mais j'ai déjà tout ce qui s'est passé ici. Elle m'a tout donné, Adam. T'as tout, mais sur ce tournage. Pas forcément... Dans le studio. Ah, tu veux sortir du studio ? Ça doit pas être nouveau. Je vais... Bon, je suis en train de partir, comme ça. Ouais. Attends, reviens. Parce que j'ai... Reviens. Reviens. Oh, tu vas voir le régisseur. Jordan te suit en disant, reviens. Allez, viens, Moby, on y va. On se sépare pas, là, je passe. Oui, on va la suivre. Je suis pas sûr qu'elle soit très forte pour rentrer en contact avec ce monsieur Thompson, qui est quand même un homme... C'est pour ça qu'on doit être là. Régisseur ! Je l'appelle, le régisseur. Oui. Ah ! Je peux faire pour vous. Bah, je fais pareil que tout à l'heure. Je crache mon chewing-gum dessus pour voir si ça lui passe à travers ou pas. Ça rebondit. Elle est autiste. Oui, ça rebondit. Il est surtout... Excusez-moi, c'est le protocole. C'est pour dire bienvenue. C'est un truc entre nous. C'est un peu comme les chiens quand ils se reniflent le cul, non ? C'est ça ? C'est ça. C'est pour avoir l'identité de la personne. Bon, j'ai une petite question pour vous. Combien il y a eu de morts dans ce studio ? Dans ce studio, précisément ? Ouais. J'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est... Enfin, aller voir sur Internet, mais... Vous n'avez pas de registre, le film Recall... Il s'est traîné un sacré nombre de casseroles, et puis c'est quand même, je crois, la quatrième fois qu'ils essayent de le tourner, ce film-là. Mais il y a eu des morts ? On veut savoir s'il y a eu des morts. Ah oui, parce que des casseroles, c'est quoi, à part de la vaisselle, tu vois, des ustensiles de cuisine Elle est pas très futuite, non ? Si, en fait il faut que jeunesse se fasse. D'accord, On se concentre. Il y a eu des morts. Après, moi, j'ai pas toute l'histoire en tête, mais voilà, on en a pas mal parlé. Je dois avouer que ça glace le sang. Hein. C'est-à-dire, ça glace le sang. Au sens littéral. Alors, oui, il y a quand même des endroits dans le studio où il fait plus froid qu'ailleurs. Ah! Dans la chambre froide, par exemple. Ah! Alors, oui, mais c'était pas à ça que je pensais. Et puis, froid inhabituel, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Les Incas, ils vivaient au nord, hein. Donc. Non, pourquoi vous parlez d'Incas, vous? Au sud, par rapport à là où ça m'a... On est sur une piste, on verra si c'est vérifiable. Les Incas, c'est vachement plus au sud, quand même. Oui, mais c'est en altitude. C'est...
en altitude, donc c'était plus froid. Mais au nord, c'est pas l'altitude, enfin bref. Est-ce que vous savez si c'était des morts de sexe masculin ou des morts de sexe féminin? Il y a eu les deux, je crois. Si, parce qu'en fonction, c'est pas le même endroit que tu vas les trouver. Non, il y a eu les deux, je crois. Il y a eu les deux. Mais ça, c'est genre 20 personnes mortes ou genre 3 personnes mortes? Ah non, mais on n'est pas à ce niveau-là. Après, il y a eu beaucoup d'événements autour de ce film. Des accidents, des gens qui ont... dont la carrière a été détruite, des acteurs et des techniciens qui sont morts, oui, effectivement, il y a eu ça aussi. Et les morts, il y en a peut-être eu, ça se compte sur les doigts d'une main, quoi, 4-5 peut-être, mais quand même. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient se venger? Est-ce qu'il y avait qui était un mauvais terme avec la direction peut-être. Après, tout ça, quand même... pas mal, enfin, vous parlez de vengeance, tout ça a quand même vachement à voir avec le propos du film, quoi. Ah oui, tiens, d'ailleurs, parle de quoi, votre film? Ah bah, tenez, je vous donne le synopsis. Comme ça, ça fait un peu plus normal que enfin, c'est un peu plus... Dans la diégèse que vous lisiez directement le synopsis. Alors, le synopsis du film. Il était peut-être temps de demander. Recall est un film de vengeance autour d'artistes. Vers la fin des années 20 et le début des années 30, le film muet arrive à la fin de son ère. George Trulli, une immense star des films muets, est mis de côté car il ne sait pas adapter sa manière de jouer. Piqué dans sa fierté et en pleine dépression, l'anti-héros prend la décision de tout faire pour revenir sur le devant de la scène. Avec l'aide d'une jeune actrice du nom de Mina Cariotti, dont il tombe amoureux, il réapprend à jouer et tente de percer à nouveau dans le métier. Mais il est jugé vieillissant et nombre de réalisateurs, menés par Carl Trentura, le premier à l'avoir mis sur la touche en le virant de son film en 1928. Bref, j'ai mal dit ma phrase parce que je suis censé arriver à un point. Bref. De nouveau dans la tourmente, il transforme sa dépression en haine contre Carl Trentura et décide de tout faire pour empêcher ce dernier de réussir son prochain film. Mina tente de l'en dissuader, mais elle ne parvient pas à le ramener à la raison. Le film enchaîne les actions de sabotage du film de Trentura jusqu'à une scène dans les coursives où il poursuit Trentura avant de le tuer. Cette scène se termine par Trulli qui tire sur Trentura à l'aide d'un pistolet le laissant tomber du haut des coursives. Dans sa chute, il entraîne George qui se brise le dos dans l'accident. Assistant impuissant à la scène, Mina le voit chuter. Trentura meurt sur le coup, mais elle reste aux côtés de Trulli jusqu'à ce qu'il finisse par mourir de ses blessures, finissant sa vie sur scène comme il l'avait rêvé. Mais ça, c'est le synopsis du film. Dites-moi, c'est une histoire vraie comme la Bible ou c'est une fiction? Oh bah, de ce que j'ai entendu, c'est inspiré d'une histoire vraie. Vous savez, c'est souvent romancé, tout ça. Bien évidemment, sauf la Bible. Incroyablement précis. Ouais, les problèmes sont bien à l'intérieur. Celui qu'on a piégé dans sa petite case, là, c'est lequel, du coup, j'ai pas compris. C'est Trentura ou c'est Trulli? Alors après, là, c'est des rôles, c'est une histoire, là, dont je vous parle. Mais, les morts, c'est sur les gens qui ont voulu tourner ce film, ce script. Et sont-ils morts de la même manière? Les acteurs... Cherchez sur Internet, vous aurez plus de détails. Moi, je vais me perdre en détail, mais je sais qu'il y a un acteur quand même. C'est un acteur montant dans les années 60. Johnny Sue, si je dis pas de bêtises. Comment? Johnny Sue. Johnny Sue. Qui est mort sur ce tournage. Est mort. Et il est mort en quelles circonstances, du coup? Oula. Prouvé, Sixtine. Ouais, écoutez, sur Wikipédia, c'est écrit. Alors, sur Wikipédia, tu trouves que effectivement, il y a en fait, si tu tapes le titre de Recall et voir un peu les histoires qu'il y a autour de ce film, tu vois qu'effectivement, il y a plusieurs histoires tragiques. Tu tombes, c'est pas forcément via Wikipédia d'ailleurs que tu tombes là-dessus. En faisant la recherche autour du film Recall, tu tombes plutôt sur un sombre site fortement lié à des théories du complot. Qui référence les différents décès et accidents tragiques qu'a connu le film. Le film a eu en fait plusieurs moutures. Une première tentative en 66, une seconde en 82, une troisième en 2012, avant
celle que vous connaissez actuellement, celle de 2024. En 66, l'acteur principal Johnny Sue décède des suites d'une blessure par balle alors que l'arme devait être chargée à blanc. Magnifique. Toujours en 66. Oui, en 66. Toujours en 66, le tournage est mis en pause plusieurs semaines à la suite de l'hospitalisation du réalisateur de l'époque à cause d'un pneumothorax. À la suite de ce second contretemps, un retard important du film et le fait que Johnny Sue n'avait pas totalement fini de tourner ses scènes, le projet fut définitivement stoppé en mars 67. En 82, le directeur de la photographie est violemment heurté par un train de poursuite au cours d'une scène. Il est précipité au bas de la scène depuis les coursives. Il meurt sur le coup d'une rupture de la colonne vertébrale et d'un trauma crânien. Cette même année, l'acteur du rôle du réalisateur Trent Ura manque de peu de mourir d'asphyxie au méthane dans sa loge due à un chauffage défectueux. Toujours sur le tournage de 82, alors que le tournage avait commencé depuis plus d'un mois, l'ensemble des bobines de rush furent détruites dans l'incendie d'une salle de stockage, obligeant l'équipe à retourner les scènes. Les autorités ont conclu à un incident électrique. Et enfin, l'actrice secondaire a été brûlée au troisième degré sur toute une partie du corps lorsque sa robe prit accidentellement feu lors d'une scène. En 2012, le réalisateur Alfonso Contreras, controversé mais considéré comme un génie, voulant relever le défi de la création de ce film, réussit à obtenir les fonds pour financer sa réalisation après plus de 8 ans de bataille, réécriture et des rebondissements divers. Attention, plusieurs scénaristes. Plutôt mexicain, de ce que tu comprends. C'est encore pire. Voire colombien. C'est encore pire. Oh mon dieu, c'est encore plus au sud. Plusieurs scénaristes se sont succédés sur le projet, prétextant à tour de rôle des divergences artistiques avec Contreras. L'un d'eux jugera qu'il était maniaco-dépressif et refusait toute critique de sa vision de l'œuvre. La seule raison pour laquelle il acceptait encore les scénaristes était l'injonction qui lui avait été donnée par les producteurs. La direction artistique du projet fit grand bruit au moment de la révélation de quelques boards, expression d'une œuvre terriblement torturée et violente. Certains aficionados appelèrent au génie de la part de Contreras, quand les autres pensèrent simplement que le réalisateur était définitivement en train de perdre la raison. Lors du tournage, son comportement violent et ses sautes d'humeur furent à l'origine de nombreux départs de l'équipe de tournage. Lors d'une scène particulièrement exigeante et coûteuse, il demanda au cascadeur de l'acteur principal de recommencer près de 50 fois une cascade hautement risquée. Lors de la 50e prise, le cascadeur se blessa grièvement, perdant l'usage de ses jambes. Le studio et la production s'enlisa dans les procédures judiciaires et les enquêtes. Le budget était déjà dépassé de plus de 50%. Alors que la situation s'envenimait, dans la production, une actrice d'un rôle de figuration fit une crise cardiaque dans les loges à la suite d'une électrocution. Au final, et alors qu'il semblait vouloir aboutir son film coûte que coûte, Alfonso Contreras sera retrouvé sans vie dans sa loge et les autorités concluront à un suicide par overdose médicamenteuse. Voilà pour la fin des récits passés et des du palmarès, on va dire, de ce film. Il y a plus de plaies dans ce film que dans la Genèse. C'est fâcheux. Ça m'a l'air bien problématique comme histoire, tout ça. Oui, mais ça ne nous dit pas où chercher. Il y en a tellement. Bah, on peut aller voir où ils sont morts, déjà. Je sais que, voilà, il y en a une, c'était dans sa loge. L'autre, c'était sur le plateau. Il y en a un qui a été retrouvé en overdose, un suicide médicamenteuse, pardon, j'imagine, dans son bureau. On peut peut-être aller dans retracer aussi, un peu ouais. Le parcours de ces personnes-là, je pense. Loge. Est-ce que vous avez réussi à identifier un point commun avec tout ça, mis à part le film ? Et travaille sur le film. Je pense que nos entités doivent avoir un réceptacle, quelque chose qui doit les permettre de s'accrocher à cette production. Peut-être qu'il faudrait retrouver le script.
Ou un truc du genre. Ça pourrait peut-être nous aider. C'est possible. Écoutez, l'éloge. L'éloge, hein, entre l'overdose médicamenteuse, l'électrocution, l'intoxication au méthane qui a frôlé la mort, me semble un bon point de... De départ, effectivement. On pourrait aller voir par là-bas. J'ai trouvé. Oh. J'ai trouvé le titre de mon prochain livre. Ah. Un cas de cinéma. T'as compris? Un cas. Oh. De cinéma. Très bien. Oh, joli. J'ai vu d'ailleurs. Joli. Le dernier film, 2012, cher Jordan. Le calendrier, tout ça. Ouais, j'ai vu. Mais c'est sûrement. Ça conforte votre théorie. Ouais, je pense. Et puis jusqu'à présent, je pense que le chiffre 7 est quand même bien présent avec tout ça. Ouais. Peut-être. Oui. T'as compté les morts? Il n'y en a pas 7 là? Bah, alors on a Johnny Sou. Hein? On a. Le réel, il avait un pneumothorax, mais il n'est pas décédé, je crois. Ouais. On a le directeur de la photographie. 2. On a Alphonse Contreras. 3. Après, on a beaucoup de blessés. On a beaucoup de blessés. Et il y a une crise cardiaque. Hein. Crise cardiaque 4. 4, ouais, 4. De l'actrice. Il y a le pneumothorax, ça fait 5. Il y a la brûlée, ça fait 6. Ils sont pas morts, je crois, le pneumothorax. Ouais, mais c'est pas grave. Et le cascadeur handicapé, ça fait 7. Oh. Bon, après, je veux pas me vanter, mais je l'avais dit il y a déjà quelques heures. Hein. Non, mais t'es un bon esthète. Je peux pas te l'enlever, Jojo. Je vous avoue que je commence à être un peu stimulé là. J'aime que vous voir avec tant de ferveur défendre vos théories, mais nous manquons d'éléments matériels pour le moment. Je vous propose d'aller vers les loges. Bah, moi je vous dis, je suis allé dans la loge du Real Spaghetti tout à l'heure et il y avait du truc dégueu par terre là. Ok, on se met en formation triangle. Vous commencez en à. Quoi procédure habituelle. Formation triangle. Formation triangle tout de suite. Tout le monde. Celui qui. Moi, je vais devant si vous voulez. Il y en a deux avec les protons derrière. Un avec les lunettes et le quatrième avec le détecteur. Formation. Un triangle à quatre angles. Mais non, mais tu fais un triangle équilatéral. Réfléchis. C'est professionnel. Vous commencez à avancer en direction des loges. Vous avez préparé tout ça. Et vous avez Kelly Hudson qui vient vous voir et qui vous dit. Voilà. Alors, vous en êtes où? Parce que j'ai cru entendre que vous aviez capturé quelque chose. C'est bon, vous avez résolu le problème? Non. Un de moins. Un de plusieurs problèmes. Ils sont 7 en tout. 7? Oui, ça va, la facture va s'allonger, ma cocotte. Hein. Ah oui. Bamo. Oui, alors là, le problème, c'est qu'en fait, toute l'équipe a quitté le studio. Moi, je vais devoir y aller. Je vais laisser les clés au gardien. Pour qu'il puisse fermer derrière vous. Ça vous va si on vous laisse? Prenez ma carte de visite. Si Peut avoir une d'accord, très bien, merci. Est-ce qu'on peut voir votre carte, s'il vous plaît? Pour être sûr que vous faites bien partie du studio. Et elle te tend le truc avec la carte, effectivement. Kelly Hudson, assistante de production, Studio 52. Et il y a sa photo? Ouais, il y a sa photo, oui. Okay. D'ailleurs, elle a bien 50 moins sur la photo, ou alors c'est le stress du boulot, tu sais pas trop. Ah, vous avez retouché la photo? Je connais. Moi, je connais un peu, hein. Vous avez retouché votre photo? Non, c'était une photo de l'été dernier. Écoutez, ma chère Kelly, allez prendre une bonne nuit de repos, nous avons la situation bien en main, nous sommes des professionnels. Attendez, on peut avoir des clés un peu pour ouvrir des locaux qui seraient fermés. Le page G. Je vous donne un passe-partout. Merci. Voilà. C'est parfait. Mais par contre, en repartant, s'il vous plaît, rendez-le au gardien. Évidemment, ça va être sûr. Cher monsieur Thompson. Vous pouvez aussi nous faire livrer des brocolis et du poulet épicé. Super. C'est pour attirer les. Vous le mettez sur la facture. C'est pour attirer les fantômes. Fred Bush, Jordan, Fred Bush. On commandera nous-mêmes. Très bien. Je suis une habituée, ils me mettent tout le temps un petit truc en plus, tu sais. Une bouteille d'eau ou le petit dessert. L'éloge. Sixtine, s'il vous plaît, concentration. Vous pouvez commander en marchant? On peut. Bah ouais, mais faut que tu me dis qu'est-ce que tu veux manger. Tu commandes chez Chicken King. Chicken King. Le poulet, tu prends le poulet braisé là, il est super. Ok. Pour tout le monde, poulet braisé alors? Oui, maison 2. Ok.
Eh, vous inquiétez pas. Accompagnement du gros colis. Ah oui. Il est baptisé, on vous en faites pas. C'est bon, ça arrive dans 30 minutes. J'ai mis l'adresse d'ici. Super. Ok. Vous avez commandé et vous avancez en direction des loges. Par quelle loge est-ce que vous commencez? Bah, je leur montre ce que j'ai trouvé. Alfonso Contreras. D'accord. Donc celle de celle du réalisateur que vous pensez être l'ancienne loge également de d'Alfonso Contreras. Ah, donc c'est la même que celle bah, où ouais. Il y a écrit réalisateur dessus, vous voyez, vu le truc, apparemment ça a toujours l'air d'avoir été... Nos idées se rejoignent, c'est parfait. Bah ouais, et rentre dedans, vous voyez, et je leur... c'est ça l'esprit d'équipe, Sixi. Okay. Je leur montre, c'était là, pas celle-là, il y en a toujours, c'est dégueu. Je comprends pas oui, qu'ils fassent pas toujours, le ménage. Tout à fait. Détecteur. Jordan, est-ce que vous voulez bien goûter pour être sûr que c'est bien du slime? Avec plaisir. Alors, quand tu ouvres le détecteur, tu détectes une très forte perturbation électromagnétique. Attention. Ça vibre très fort, oui. Que tout le monde chuchote, que tout le monde se mette à chuchoter. D'ailleurs, maintenant que tu dis ça, tu captes qu'au moment où tu prononces ces mots, il y a l'air d'y avoir comme un petit nuage de fumée qui se fait oui. devant ta bouche. Oui, regardez. Je vois, t'as raison, oui. C'est là. Regarde. Ne commencez pas à danser, Jordan, c'est trop tôt pour danser. Si, c'est maintenant, là, c'est maintenant. Enfin, je vais tenter de communiquer. Il est espagnol, c'est ça? Probablement mexicain ou colombien. ¿Cómo te llamas? ¿Está la Ghostbuster? Essayez en portugais, il était peut-être brésilien. Comment va-t-il vous? Comment va-t-il vous? Ouais, c'est bien, ça va, si, Michel. Comment va-t-il vous? T'entends comme un bruit de voix un peu étouffée qui a l'air de venir du placard. Je me tiens les cheveux, vraiment, je suis surexcité. Oh, les effets spéciaux, hein. Il n'est jamais sorti du placard, c'est pour ça qu'il était malheureux. Chut. Oh. Parlez doucement. Donc, qu'est-ce que vous faites? On ouvre la porte. Je vais ouvrir ce placard. Vous ouvrez la porte. Vous ouvrez la porte et pendant un temps, en fait, il ne se passe rien. Juste cette noirceur dans le placard qui commence à vous donner un petit frisson dans le dos au-delà de la fraîcheur de l'endroit. Et vous attendant à voir quelque chose surgir d'ici, vous entendez juste un son qui vous surprend. Il fait « Moteur !» Hein? C'est oh lui. Putain, moteur! C'est le réel, c'est lui? Je prends mon breton. Ouais. Depuis quand ça parle à un fantôme? Ah bah, il y en a, ça dépend du type, mais s'il est avancé, ça parle. Je t'ai dit que j'ai eu une relation avec un fantôme, Michette. Tu crois qu'on faisait quoi? Comment on se faisait? Tu m'as dit que c'était spirituel et intellectuel, alors j'ai cru que ça passait par. Tu vois, tu parlais pas. Mais ça passe par la parole. Bah oui, Michette, hein. Bah d'accord, attends, mais moi j'en ai, les deux qu'on a vus, ils parlaient pas, hein. Et puis en vrai, tu sais quoi, moi je pense que vous avez dû mettre un haut-parleur dans le placard. De toute façon, ça se voit, tu vas vérifier en amour. Tu vas vérifier le haut-parleur, hein. Je t'en prie, vas-y, je te regarde. Ouais, j'ai déjà eu 15 petites amies. Ouais, hein, ça ouais. Des vraies petites amies que t'as déjà touchées. Bah ouais, j'ai fait des bisous sur la bouche. Vous savez qu'en revanche... S'il vous plaît, nous sommes dans une situation... Vous avez d'ailleurs autour de vous les petites loupiottes qu'il y a autour du miroir pour se préparer, qui commencent à clignoter un peu indépendamment les unes des autres, alors qu'elles répondent toutes au même bouton d'allumage. Donc elles sont censées toutes s'éteindre en même temps. Et puis après, d'un coup, plus rien. Et le PK émetteur émet toujours un bip, mais plus léger. Oh, attends. Il est peut-être que... C'est fâcheux. Mais non, mais en fait, je crois que... Est-ce que je peux tenter de... de mémoriser les points qui ont clignoté pour voir si c'était pas du morse? Tu peux. Fais-moi un test mental, s'il te plaît. Et en attendant, je vais demander d'ailleurs aux autres également de me faire un test de mental. Est-ce que je peux prendre analyser le problème ou pas? Ouais, tu peux. Situation. Tu peux. Très bien. Ah oui,
J'avais complètement oublié ses compétences spéciales. Eh bien, ça sera un 26 pour moi. Mental. Oh là 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 là. Plus 5 en mental, plus 5 en analyse de problème, et un 16, mesdames et messieurs. Voilà. Abusé. Donc on a un 26 pour ton sujet à toi de ton côté. Les autres, vous m'avez fait combien? 13. 19. 19. Ben moi j'ai fait 18 moins 5 quoi, donc ça fait faut compter. 13. Voilà. Voilà. Okay. Très bien. Voilà. À 13, ça suffit. Tous les trois, vous vous rappelez que ça va être compliqué. Là, vous avez eu quelque part un peu de chance avec le premier fantôme qui était sur les coursives, de le voir et de pouvoir le capturer de jour. De nuit, pour des fantômes à partir de la catégorie 4, c'est quand même autrement plus probable de les capturer parce que c'est le moment où ils prennent plus facilement forme visuellement. Les catégories 1 et 2, ils prennent pas trop forme physiquement, donc de jour ou de nuit, il y a peu d'importance entre les deux. Jordan, de ton côté, toi tu as analysé ce problème et tu te dis ça doit vouloir dire quelque chose. Alors tu commences à noter sur ton petit calepin les traits et les points. Et à faire l'équivalent à côté de ce que ça pourrait vouloir dire. Et alors ? Et alors, concrètement, voici ce que ça dit. Pizza. Poulet. Poulet, pizza. Pizza, poulet. Je crois que t'as faim, Jordan. Finalement, ça quand tu chantais italien, c'était peut-être pas hors sujet. Peut-être qu'il faudrait qu'on lui commande des pizzas avec notre poulet pour que le fantôme... Mais non, c'est plus profond que ça. C'est le ventre de Jordan qui parle. Il a faim, il a la dalle. Il y avait un troisième symbole. T'as beau avoir fait tous les recoupements que tu peux en disant non, là, je pense que j'ai peut-être fait une erreur sur tel symbole en morse, etc. Il n'y a pas moyen, ce passage-là, par contre, il te disait absolument rien. T'arrivais à mettre des lettres. Et ça voulait rien dire du tout. Il y avait genre 3 points, 4 points, 5 ouais, points. Ouais, des trucs comme ça, ouais. Bizarre. Non, tout est logique. Tout s'explique. Je comprends totalement ce qu'il essaie de me dire. C'était évident depuis le début. Réfléchissez en marchant, hein, Jordan. Nous allons peut-être aller voir la loge suivante. Je vous suis. Ça s'est arrêté, hein, d'ailleurs. Au moment où optimisation du temps. De regarder ces lumières-là, ça s'est arrêté de clignoter. Optimisation du temps, c'est augmentation du devis jour homme. N'oubliez pas. Je vais chercher un truc sur Google, bougez pas. Bougez pas, comme si on allait partir parce qu'il fait une recherche Google. Il est marrant, lui. Hein. S'il faut attendre qu'il fasse nuit, on peut faire la sieste. Hein. Pizza au poulet, ça aussi. La sieste. Mais non, mais c'est une pizza au poulet, les copains. Pizza au poulet, c'est une recette. Recette, 7 lettres. Oh, mais non, tu déconnes. Je t'assure, 7 lettres, recette. R-E-C-E-2-T-E, recette. Et il y a 7 dans recette. Oh. C'est fou. Très bien. Chers collaborateurs, j'ai peur que nous nous dispersions. Gardez cette théorie dans un coin de votre tête et continuons à explorer les lieux à recherche d'indices complémentaires. Mais Bobby, c'est pire que ça. C'est re... 7, 0, 7 à nouveau. J'ai bien compris, Jordan. On doit le garder dans un coin de la tête, je pense. Vous passez encore un peu de temps à fouiller dans les loges suivantes. Il y a quand même pas mal de loges. Et au bout d'un moment, vous voyez que la nuit commence à tomber. Et vous arrivez près d'une loge, vous passez un peu devant, un peu dépité, parce que ça fait un moment que vous n'avez pas trouvé de loge où il se passait quelque chose. Et là... Vous entendez un tout petit bip et vous arrêtez devant cette loge, un peu incertain de savoir est-ce que c'était une erreur de l'appareil. Et au bout de peut-être une minute, bip. Bon Dieu, Jordan, c'est un signe. Est-ce que c'est la loge numéro 7?
Oh non, on est plutôt sur la loge numéro 17. Oh, et est-ce que dans les loges il y a au studio Est-ce qu'il y aurait des costumes ou des vêtements dans les loges qui traînent? Oui, tout à fait. Il y a des est-ce costumes. Qu'il y a, est-ce qu'il y aurait une très belle robe? Il peut y avoir une très belle robe, tout à fait. Pourquoi faire? Eh ben, juste parce que je pense que Sistine, elle va l'enfiler. D'accord, ok, bah très bien. Tu as trouvé une très belle robe que tu, voilà, que tu enfiles. Bah voilà. On dira au studio que c'était une pièce à conviction. Mais ça, ça peut attirer... Alors, non, bon, d'abord, elle passe beaucoup de temps à se regarder dans la glace, d'accord, tu vois, voir s'ajuster, voir si ça lui va bien. Et après, cette robe est peut-être un peu légère, parce que depuis que tu l'as enfilée, t'as une sorte de petit frisson. Ça te fait le long de la colonne, là, et tu sens qu'il fait un peu froid dans cet endroit. Ah bon, j'ai plus froid avec la robe qu'avec mon crop top? Ouais, d'ailleurs, c'est bizarre. Maintenant que t'as mis cette robe, quand tu souffles, tu vois ton air se former sous la forme d'une fumée, légèrement. Eh, il parlait pas de sang-froid ou non, de... Qu'est-ce qu'il disait? Ça a glacé le sang. Il disait, regardez, depuis que j'ai mis la robe, j'ai... Regardez, on dirait que je Jordan, fume. Veuillez analyser cette robe, s'il vous plaît. Je prépare mon proton vers... vers elle. Tu fais quoi? Tu n'avais pas des frissons? J'ai un petit courant d'air dans le dos que j'avais pas quand j'avais mon crop top. Vous êtes en train de parler et dans le coin de la pièce, vous entendez... Il y a encore des haut-parleurs planqués dans les murs. Non, c'est du Inca. Podes se répéter, por favor. Podes se répéter. Donde ataca el Ghostbuster. Je suis sûr, ce n'est pas du latin. J'oriente mon proton dans la direction du bruit. Je crois que j'ai mis la robe de quelqu'un qui va être en colère. Enfin, t'as le... Comment... le paquet émetteur qui commence à biper, mais légèrement plus rapidement. Ok, on est en présence d'un individu spectral. Tout le monde se prépare. Position triangle équilatérale. Alors, attends, bonjour. Un truc qui fait du froid... J'ai un rôle à vous proposer. Mmh. Montrez-vous. Bien, ouais, un truc qui fait du froid et qui parle sans que ce soit compréhensible, c'est type quoi? C'est type Inca. Faites-moi tous un test de courage, s'il vous plaît. Type fantôme? Oui. Manifestation sonore verbale limitée, c'est type 4. Au moins type 4. Ouais, c'est 14. Sûr. Oh yeah! Avec moi. Mais vraiment, alors mental, c'est ça? Oui. Non, courage, il a dit. Non, courage. Courage. Pardon. Ouais. 16 alors. Pardon. C'est mieux. J'ai fait 1. Il va partir en courant. Écoute, moi, 19 plus 5, je crois vraiment que Sistine ne craint rien. Ouais. En fait, souvent, c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est un véritable courage ou est-ce que c'est de la pure bêtise? Oui, c'est ça. Donc, rappelez-moi ce que vous avez eu comme test chacun. Il y a eu un échec critique, je crois. Hein. Oui. D'accord, c'est bien. Oui. C'est moi. Ok. Vous avez tous fait au moins 11. Non. Non, mais sauf toi. C'est le MJ qui remue le couteau. T'sais. Vous avez tous réussi, hein, presque. Pardon. Eh bien, Jordan, toi, ce froid accumulé à ce chuchotement dans un coin de la pièce, ah, c'en est vraiment trop pour toi. Tu as fait un mini pipi culotte et tu te précipites hors de la pièce. Ah, fuyez, bande de fous, c'est du Inca. Courez. Un point de, enfin, tu gagnes un point de pression, pardon. Je vous me voyez courir vraiment, sortir de la salle. Mais qu'est-ce qu'il a encore? C'est du Inca. Il a dit 7 en Inca. Ça veut dire 7. Fuyez. Bobby, il s'est barré avec l'engin là. Il s'est barré avec le. Je vais le voir. Vas-y, Mitch, je poursuis les analyses. Mitch, je compte sur vous pour. Je m'en occupe. Alors, je sais pas si je suis plus rassurant, mais je m'en occupe. J'ai. Vous vous retrouvez à deux, Sixteen et Bobby, dans cette pièce. Ouais.
Il n'y a plus de chuchotement, mais par contre, vous avez comme la sensation, de temps en temps, particulièrement désagréable, de quelqu'un qui semblerait vous frôler au niveau de l'arrière du bras ou du creux du dos, là, au niveau en haut du dos, près du cou. Pas hyper agréable. Ouais, tu vois, moi je me retourne, je dis le consentement, tu connais ? Parce que là, franchement, c'est. Tu te tournes vers le prêtre, hein, c'est ça ? Ouais. Ah oui, c'est ça, mais oui. Bobby, c'est ultra gênant, quoi. Le consentement, tu connais ? En s'il plus, vous plaît. Tu pourrais être mon père. Tout de suite, les raccourcis. J'en ai vu des comme vous, hein, attirés par ma célébrité, qui se permettent de me tripoter comme ça, qui cherchent mon attention. J'ai senti votre main se poser sur mon épaule, chère Sylvie. Excuse-moi, mais t'as combien de followers ? Hein ? Combien t'en as, toi ? Écoutez, mon église est légion. Voilà, c'est ce que je disais. Donc, ta célébrité, moi, je m'en tamponne, d'accord ? Parce qu'elle est has-been comme toi. mais par contre, tu me touches pas, d'accord ? Et on va regarder les potentiels d'investissement moyen de chacun de nos portées. Tandis que vous êtes en train de vous disputer, enfin, ou du moins de savoir qui a harcelé l'autre, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un concours de pas savoir de qui a vraiment harcelé l'autre, mais plutôt, non, c'est moi qui, a harcelé, qui t'ai harcelé, non, c'est toi qui, t'a, et qui m'a harcelé, enfin, bon, c'est pas très clair, votre truc. Bref... Vous remarquez une trace de main sur la buée qui a commencé à se former sur le miroir. Et tandis que vous regardez cette trace de main, vous voyez dans le miroir comme une tête flottante derrière vous. Une tête un peu étrange, avec des yeux jaunes, comme flamboyants. Je vais vous demander un second jet de courage. Une apparition démoniaque. Oh la vache ! Pardon. Je souhaiterais prier avec ferveur. Ok, très bien. Je vais sacrifier 5 points de social pour me donner 5 points de courage. Qui me fera un résultat de 18 au dé. Eh ben parfait bien. 18, bon, bah... et t'as fait combien, Sixtine ? Bah, j'ai fait 15 plus 5, ça fait 20. Ok, bon, c'est réussi pour tous les deux. Et là, je dis, oh la vache, les effets spéciaux, c'est de pire en pire, mais comment ? Putain, papa, il a dû dépenser un fric. Et tu te retournes, tu vois cette tête, vraiment, qui est là. J'ai mon chapelet vers la tête. J'ai plus de chewing-gum à te cracher dessus. Et cette tête vous regarde et ses yeux bougent. Et elle vous regarde et... Vous voyez qu'elle elle bouge la bouche comme si elle voulait parler. Mais que rien ne sort. Merde, cocotte, t'as un truc à dire ? Ça a l'air d'être une tête de femme. J'attrape mon pack à protons. Okay. Attends. J'accroche mon chapelet autour. Je règle à 80%. Attends, et moi, je te dis, attends, je veux comprendre ce qu'elle a à nous dire. Ça se trouve, elle est malheureuse. Peut-être qu'il faut l'aider. C'est une tentatrice envoyée par le démon et le seigneur et mon berger. Et là, je tire. Oh non ! Non ! J'essaie de m'interposer. Tu peux ? Oh putain. C'est à tes risques et périls, là. Bah, elle est là pour ça, hein, Sixtine. Elle est... Non, ça se trouve, elle est gentille. Le curé va buter une gamine. Je t'invite à faire un test de physique. Oh non, je suis trop bidon. Attends, je peux pas. Est-ce que je peux pas. Est-ce que ça exaspère que je fasse ça, que ça me fasse gagner plus 3? Oui, ça va exaspérer beaucoup de monde, tu peux. J'utilise ma capacité d'exaspérer autrui. Oh non! Oh my god, je vais mourir! J'ai fait 2. Attends. J'ai fait 2 moins 2 plus 3. Est-ce qu'en voyant la bécasse, je peux essayer de dévier avec mon instinct de survie? Parce que c'est quand même le budget qui va partir là si on perd le papa. Fais un test de physique. Mais franchement. Bon. Ouais, de toute façon, vu mon niveau en physique, 3. Ouais!
3 contre 3 Alors, bon, vous apprendrez que dans Ghostbusters, ce n'est pas un JDR dans lequel on meurt, donc... Ah. Il n'y a pas de mort. Par contre, tu te prends une décharge de protons à 80%. Oh mon dieu. Heureusement que les flux n'ont pas été croisés, sinon t'aurais disparu. Mais là, actuellement, tu as quand même... Bon, alors, disons que tes cheveux... Oh, tes cheveux, c'est plus vraiment ce qu'elle était. Non. T'as toujours tes cheveux, hein, mais c'est vraiment pas stylé, si je puis dire. Par contre, toi, t'es tombé dans les pommes, là... C'est moi? Oui, toi, t'es tombé dans les d'accord. pommes. Oui, d'accord. Et pas morte. Mm-hmm. On a entendu quoi, nous? On a entendu... Non, ah, vous avez entendu un non et peut-être un peu crier le seigneur et mon berger et... suivi d'un elle est peut-être gentille. Grosse explosion. Une explosion lumineuse aussi qui sort de la porte d'où vous avez couru, hein, et puis plus rien. Ça va, Jojo? Je fais Tristas. Je te respire, tiens, la ventoline, tiens. J'avais pas encore la mutuelle. Respire. Je m'occupe, donne-moi... Je me suis pissé dessus, Mitchell. C'est pas grave, ça arrive au meilleur, c'est pas grave. Tu sais ça réchauffe, il fait froid en plus. Tu sais ce qu'il a dit? Il m'a dit... Siete. Ça veut dire 7 en espagnol. Écoute, Jojo, on a entendu crier, je sais pas ce qu'il faut qu'on y retourne. Je passe devant, d'accord? Attends, je s'occupe, respire. Tourne-toi que je baisse mon froc vite fait. Je regarde pas. Okay. Je regarde un peu, pas. Je baisse mon froc. Et il y a plein de fringues dans le studio, change-toi. Ah, mais reste un calbar, on s'en fout, ouais, reste un calbar. Mais, oui, mais laisse-moi trouver un calbar quand même. Je vais chercher un calbar dans une loge vite fait. Cherche un calbar. Tu trouves un caleçon. Tu sais, mais un espèce de grand caleçon qui sert de décor, tu sais, mais un caleçon à cœur, tu sais, les gros cœurs, là. Voilà. Ok, c'est bon, je suis bien là. Je ressors. Un joli caleçon frigane. J'ai mon proton, j'y vais, on y va Mitchell, c'est bon, je suis prêt. Allez, allez, on y va. Ayrton, allez, allez mon pote, on y va. Il s'est passé des choses, il faut qu'on aille voir. Vous arrivez à la loge et vous découvrez une Sixtine au sol, inconsciente, avec les cheveux fumants. Et un Bobby en face qui est... Bobby, qu'est-ce qui s'est passé, ça va Bobby? J'aimerais faire un jeûne mental pour voir si j'arrive à comprendre. Et derrière, derrière ça, vous voyez une tête flottante, toujours sur place, qui essaye de parler, mais il n'y a aucun son qui sort. Et la butée Sixtine. Pourquoi tu as fait ça, Bobby? Ta butée Sixtine. Comment dire? J'ai envie de dire que c'est un accident, mais vu le geste stupide de la gamine, je me demande... Vous savez, à cet âge-là, ils sont pas bien dans leur peau, des fois, ils supportent pas la pression, ils veulent en N'écoute finir, pas, Mitchell. C'est malheureux. Vise Bobby, il doit être possédé. Bobby, fais pas le con, pose ton proton tout de suite. C'est toi suis qui parles en espagnol depuis tout à l'heure, si c'était toi qui étais possédé. Puedes repetir, poser el protoneto, sinon moi, je te jure, c'est pas parce c'est que la je suis en garçon. C'est pas parce que je suis en garçon que je vais pas te foudroyer. Attends, t'entends. Philistin. Pose-moi ça tout de suite. Jamais. Ah si, au nom de petit Jésus, fais une action positive. Prouve-nous que c'est toi, Bobby. Prouve-nous que c'est toi. Allez. Oui. Au commencement, il n'y avait rien. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ok, c'est lui. Il m'a convaincu, mais derrière, il y a un truc qui flotte, okay. C'est ça qu'il faudrait que... À trois, on allume le fantôme à trois, allez, c'est parti. C'est ça qu'on visait. Ouais, comme il y a marqué dans mon livre, page 12, ensemble on est plus forts. Allez. Attention, alors... on était passé de 112 à 12, hein, t'as failli dire le même chiffre, hein. Vous passez à combien? Vous êtes à 2 dessus et vous mettez à combien? Ah non, on est 3. Vous êtes à 3 dessus et vous mettez à combien sur vos trucs? 30 chacun. Tac. On vise. La Sainte Trinité, nous sommes, les amis. Alors, vous avez même pas le temps de mettre une prison spectrale, vous avez vaporisé le fantôme. Non! Le Père, le Fils, le Saint-Esprit et les protons dans ta gueule. Ouais.
Bien joué l'équipe. Allez, on se fait un check. Yes. On peut peut-être s'occuper de la petite, la bichette, ça va pas là. Je lui mets les jambes en l'air comme si elle faisait une crise d'hypoglycémie, je comprends rien, mais je fais quelque chose. Moi je vais m'occuper de... Elle est en robe, Mitch. C'est pas très adapté. Pousse-la. Écoute, on a pas le temps pour ça. J'ai failli voir la Kikuna Jojo déjà, il y a pas longtemps, donc je pense que moi, on est plus à ça. Est-ce que je me réveille au moment où il met les jambes en l'air là? Bah je me réveille, je fais « Hé, papy, consentement, tu connais ?» Non, ça va, gamine, ça va, tu vas bien? Bah, je sais pas ce qu'il lui a appris. Pas de gens sur mon visage. Grand Dieu. Un de moins. Jordan, dans le devis, dans la facture. C'est noté. Je m'assois et je touche mes cheveux, puis je fais ah « Et là, je hurle, mais vraiment... Comme si j'avais vu un fantôme en vrai. Mais vraiment, je hurle en me disant. Je me relève péniblement, je me regarde dans la glace. Et vous entendez plus loin dans le couloir un. Coupé! Eh ben, on y va, on n'a pas le choix là, on n'a pas le temps de tergiverser. Hein. On coupe quoi? On n'était pas tout seul? Faut qu'on y aille. Je cours, je lève ma robe comme ça et je cours dans le couloir. Donc avec mes cheveux hirsutes. La chose la plus action. Horrible qu'on a vue ce soir. Hé, hey, Sixteen, dans combien de temps il arrive Deliveroo là? J'ai la dalle, putain. Ah bah je sais pas, j'ai laissé mon portable dans la loge. Du coup, je m'arrête, j'étais en train de courir vers le bruit. Je repars en courant vers la loge chercher mon portable. T'as pas le temps? Si. Vous récupérez, donc tu récupères ton portable, tu cours après les autres vous courez en direction donc de la loge du réalisateur d'où semblent venir ces cris. Et vous arrivez à l'intérieur et maintenant que la nuit semble tomber, vous voyez en plein milieu de cette loge une silhouette à l'apparence gluante qui semble comme coulante avec un espèce de sourire déformé et qui hurle un grand moteur. Mon Dieu. C'est comme une très silhouette rare. Dégoulinante, c'est sûrement Alfred Hitchcock. C'est comme très rare. Je filme, allez-y. On n'a pas le choix. Alors ouais. Il va falloir envoyer tout ce qu'on a. Position en triangle, préparez-vous. Vous l'emprisonnez et je lui fais le coup de la salsa, ok? Allez-y. Ok. Allez, donne tout, Jojo, donne tout. Mitch, 50% chacun. Chacun. Sacré spectacle en calbar. Enfin, vous le maîtrisez. Calbar en cœur. Enfin, non, d'ailleurs, j'allais oublier un point de règle. Faites-moi un test de courage. Moi aussi. Tous. Moi aussi. Tous. Oh. 20. 20 naturel. Yeah. 22. Wow. Est-ce que mon crayon avec ferveur marche encore? Est-ce que je suis encore sous ma fervente prière ou plus trop? Par rapport à ce que t'as fait tout à l'heure? Non, parce que t'as grillé une gamine entre temps. Hein. Ouais, c'est ça. Bah donc deux. Deux. Est-ce que romancer la situation en faisant de la salsa avec un fantôme, ça marche? Tu peux. Je peux accepter le fait que dans ta tête, t'es déjà en train de romancer le truc et que dans ta tête, tu as même la chanson. D'un film célèbre à l'eau de rose de danse. du coup ça fera 14. Bah, moi aussi je vais avoir besoin d'un nouveau caleçon je crois. Et ben moi j'ai fait 16 plus 5. Okay, parce qu'à part ma coupe de cheveux, rien de mes frais. On a 3 qui réussissent, mais il n'y en a qu'un seul. Alors, Sixteen, toujours impeccable dans le cadrage avec son téléphone. Mitchell, toi, tu parviens à viser avec ton rayon à proton. Bobby, par contre, ton rayon à proton part dans tous les sens. Il est en train de détruire le placard, etc. Tu n'arrives pas à viser comme il faut. Tu prends un point de pression. Et Jordan, toi, t'es prêt à lancer la prison, t'es en train de faire des petits mouvements de danse, paré à lancer ça. Sixteen, va aider Bobby, ça prend du temps, mais tu finis par te reprendre et à viser correctement le fantôme. Mais pour ce faire, je te fais griller un autre point de pression.
Allez, tu vas tous les avoir pétés, non? Comment ça se fait quand il fait cocotte minute, quand il les a tous? Eh ben, quand il a rempli sa jauge de pression, le seul moyen qu'il ait de réussir une prochaine action, c'est d'utiliser sa jauge de pression, de redescendre, de faire baisser la pression, et donc de réussir automatiquement son action. Seigneur, donne-moi la force de terrasser tes ennemis. Ok. Très bien. C'est un système de jeu pour si jamais il y a des gens qui ont vraiment trop de malchance sur les dés, ça puisse les aider. C'est cool. Vous parvenez donc à saisir cette espèce de forme gluante qui a des espèces de protubérances qui partent à droite, à gauche, pendant que vous essayez de la contenir. Et Jordan balance dans un geste de salsa la prison qui arrive sous le fantôme, s'ouvre et choup dans un jet de petit ectoplasme qui réatterrit sur le sol, se referme. Hasta la vista, señoritas. Vous avez enfermé le fantôme de Contreras. Et tandis que vous faites cela, eh bien... derrière vous, vous entendez un bruit. Et ça fait combien là? 3? Ouais, 3. Ça fait 3. Ok. Attention, vérifiez combien vous en avez mis dans la prison à Spectre. Ah, on en avait déjà un. On en a déjà un, ça fait beaucoup. Ouais, vérifiez par rapport au niveau et à la capacité d'une prison. On a combien de prisons? On l'avait pas vidé avant de partir. Il y en avait déjà un. Alors, vous en aviez dans la voiture un certain nombre, mais comme vous n'avez pas pu tout emporter de prison, vous aviez 10 prisons spectrales dans la voiture. Mais en gros, je vais dire que vous avez pu en emporter 3 avec vous. Bon, la mienne, elle est blindée, là. Très bien. Donc, t'en as 2, toi, Jojo, c'est ça? Ouais. Ouais, mais t'as de la place dans celle où il y a eu le premier, type 4. Sachant que le deuxième, vous l'avez vaporisé. Ah oui, c'est vrai. Oh, l'âme gentille qui avait des trucs à nous dire! Et j'ai peut-être l'air idiote, mais je crois que je l'ai lu quand même, le livret du chasseur. Et en fait, il y a une règle, c'est qu'on peut apaiser certains esprits, certains fantômes. Et donc moi, je voulais essayer pour voir si c'était vrai. Et Bobby m'en a empêché. En attendant, vous avez... parce qu'il a perdu ses moyens. Vous avez entendu un bruit. Et vous vous retournez et vous entendez quelqu'un qui appelle, qui fait « Eh oh, il se passe quelqu'un ?» Il se passe quelque chose, il y a quelqu'un? Attention, c'est un piège. Il a dit il se passe quelqu'un. Ça veut dire que sa langue maternelle, c'est de l'espagnol. N'y allez pas. C'est sûr. Alors, je vous entends. Et non, ma langue maternelle, c'est plutôt le japonais. Mais. On va essayer de le piéger. ¿Cómo estás? ¿Puedes repetir? Konnichiwa. Voilà, plutôt ça, oui. Konnichiwa. C'est pas que vous êtes un peu raciste en partant du principe qu'on est tous mexicains, mais quand même un peu, quoi. Pourriez-vous décliner votre identité? Ah, je suis là depuis longtemps. Je peux pas être raciste, je suis noir. Je crois que c'est Johnny. Hey, c'est vous, Johnny Sue? Salut, Johnny. Oui, Sue. C'est ça. Très bien. Johnny, tu t'es pris une balle. On est là pour prendre soin de vous. Johnny, tout va bien, tu paniques pas, mais t'es mort. Dozo yoroshiku. Eh bien, mais... Pochez, n'ayez pas peur. Je suis mort. De ce que j'ai cru comprendre par rapport à l'année que j'ai pu entendre dans le studio, ça doit faire 58 ans à peu près. Oh, alors, ça doit être drôle, on dit ça, mon pauvre. Ah ouais, 58 ans, c'est dur. Et là, est-ce qu'on le voit là? Il est approché, oui. Il a approché en fait, vers nous. Au fur et à mesure qu'il approche vers vous, vous voyez en fait une silhouette qui est transparente, translucide, qui commence à prendre de plus en plus forme et commence à être de plus en plus opaque, si je puis dire. Dites-vous que le peuple élu a passé 40 ans dans le désert et il en est sorti grandi. De quoi vous me parlez? Je suis bouddhiste. Je m'approche de lui et je lui dis: Johnny, t'as peur? Non, j'ai passé le stade d'avoir peur depuis 58 ans que je suis là. Mais t'es coincé alors? Oui. T'as envie d'aller ailleurs? Ah bah, si je pouvais en finir avec cette vie, selon Bouddha, en commencer une nouvelle, ce serait quand même plutôt pas mal. Et alors,
avec tes connaissances. Comment tu fais pour aller ailleurs? Bah, je sais que j'étais très perfectionniste quand même de mon vivant. Et j'aurais adoré qu'on finisse mon film. Ah, bon, on va pouvoir jouer. Est-ce que tu veux qu'on finisse au moins ta scène? En fait, quasi toutes les scènes avaient été tournées. Il n'y avait que 2-3 scènes qui ont été tournées avec un remplaçant après. Mais il n'avait pas bien casté, il ne me ressemblait pas assez, ça ne passait pas à l'écran. Nous n'avons pas de personnel asiatique. Je crois qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de reconstituer un visage. Ouais, carrément, je peux te faire ça si tu veux. Mais tu veux quoi? Que je mette ta tête sur le film? Sur les images? Oui, il faudrait, et puis sortir le film. Monsieur Sou? Bah... Oui. Bonjour, je m'appelle Jonathan, je suis un expert en fantomologie. Bonjour, ça va? Oui, merci. Et vous? Sixtine, je me permets, hein, ça te dérange pas? Bah je sais pas, dis-moi, tu veux lui dire quoi? Parce que moi j'avais une proposition là, intéressante. Bah justement, moi, je voulais lui proposer de peut-être plutôt faire une trend TikTok, genre. Parce que ça fait vachement plus de vues maintenant à notre époque. Oula, attendez. Tu vois Moi, ce que je veux, c'est enfin, peut-être vous aider à exorciser cet endroit. Donc, moi faisant partie du problème potentiellement, mais c'est pas moi le principal. Et c'est surtout... vous pouviez m'apporter la paix, moi c'est ça qui m'importe. Après vos histoires de trend TikTok, tout ça. Ça peut être intéressant ou, de. TikTok, je sais pas trop quoi. Mais moi, avec mes économies, hein. Avec mes économies et mon papa, parce que en faisant appel à mon papa riche, j'ai plus 5, je peux racheter les images du film. Et je peux demander à mon papa qu'on fasse tu vois, qu'on mette ton visage sur les ouais, images. Très bien, super. On fait un montage et on sort le film. Johnny, un peu d'aide ne serait pas de refus pour tes petits camarades. Oui. En te promettant de t'aider à partir une fois que tu nous auras aidé avec tes copains. Par contre, le code du travail ne prévoit pas de rémunération pour le personnel déjà décédé. J'en suis navré. Qu'est-ce que je ferais d'argent? Déjà d'une et de deux, on peut aider les gens gratuitement? Oui, quand on a un père riche, Sixtine. Pour les autres, c'est une autre histoire. Ouais, truc de riche, ça. Et bim, allez. Vous avez capturé ceux qui étaient dans les loges, c'est ça? Oui, ouais. On en a capturé 3. Ouais. Bah, en fait, eux, ils sont contrôlés par un champ... électromagnétique qui s'appelle, enfin moi je sens une tension qui essaye de me contrôler de temps en temps, mais j'arrive à résister, mais je crois que ça doit venir du réalisateur lui-même. Je peux pas m'en approcher, je suis comme repoussé quand je m'approche de lui. Et de ce que j'entends dans le studio, il a l'air de voir, d'être tout aussi irritable et obsédé par son film que Alfonso Contreras l'avait été. Ah, tu parles du Real Spaghetti, là? Oui. C'est ça. Scapelli. C'est ça. Scapelli. C'est pareil, Spaghetti, Scapelli, ça revient au même. Scapelli, on peut le trouver, parce que la nuit avant, c'est... Chez lui, mais il revient demain matin. Bah, il reviendra demain, mais je sais pas, trouver peut-être un lien entre les deux ou ce qui peut faire qu'il a peut-être été contrôlé. Je sais pas, ça a l'air d'être une entité plus puissante que moi, j'ai l'impression. Vous seriez pas où on peut trouver le script? Le script dans sa loge, ouais. J'imagine avec lui. Non, mais et dans sa loge, tu crois qu'il y a quelque chose de. Un objet qui aurait pu se transmettre de l'un à l'autre ou... Tu vois qu'il s'approche vers la loge et.
Ah, je... Souvent, je peux pas trop en approcher de cet endroit. Là, ça a l'air d'aller. Ah ouais. Ah. Bon. Enfin, c'est plutôt quand le réalisateur est pas là que je peux... Enfin, quand le réalisateur est pas là, je peux en approcher, quoi. Ok. D'accord. Ça veut dire quoi ? Vous pensez qu'il est possédé, le réal ? Ouais, c'est sûr. Oui. Quatre possessions classiques. Il doit porter un objet en permanence sur lui. Ouais. Peut-être un stylo, une boussole, un clap. Mon petit non, sou. Un réalisateur, ça clappe pas. N'importe quoi. Bah, ça c'est Sixtine qui parle, c'est Mélissa. Bon, c'est Sixtine, elle s'y connaît. Attends, dans le cinéma, il y a le réal et le clappeur, pas les mêmes. Tu connais quoi au cinéma, toi ? Eh ben, je regarde des films, je t'ai dit, jour, j'ai regardé tout Fast and Furious, par exemple. Quand on regarde les films, on voit pas les clappeurs. Eh ben, je regarde aussi les making of. Bon, il faudrait monter un piège, peut-être, pour capturer ce réal. Le faire venir. Qu'est-ce qui peut attirer un réal au milieu de la nuit ? Bah, dis-lui qu'on a du brocoli. Un début d'incendie. Une jeune débutante qui veut passer un casting. Un début d'incendie. Peut-être. Du brocoli. Un début d'incendie. Alors, dans les années 90, oui, ça, il se serait déplacé directement. J'ai un appel, là. C'est la bouffe. Ils sont dans le studio. Super. Très bien. Eh bien, écoutez, allez donc, Sixtine, chercher la commande. Et visiblement, nos deux confrères sont avides d'effets pyrotechniques. Écoutez, le feu divin pourrait s'abattre sur sa loge, malheureusement. Mais il faut faire semblant. T'as pas vraiment foutre le feu au studio. Tu l'appelles juste en lui disant qu'il y a le feu. Bon, j'ai de le mettre, le feu. Ils ont des assurances, hein. Vous savez, tout ça, c'est du petit bois. Ça vise à expédier. Ouais, mais elle a quand même raison sur le fait que Kelly Bidule, elle va nous casser les pieds, quoi. Oui, on aura peut-être du mal à être payé, vous avez raison. Très bien. Bon, un coup de fil, qui serait le plus convaincant ? Moi, probablement. Sinon, j'appelle mon père et je lui dis qu'il l'appelle et qu'il vous dise de venir au studio. Puis c'est mais arrête avec ton père là. Sinon, si vous êtes influente, vous pourriez peut-être juste appeler les pompiers, non ? Bah oui, c'est ce que je dis. C'est logique. Mais on va être soumis à une amende si on appelle les pompiers qu'il n'y a pas vraiment le feu. Très bien. C'est un risque à courir. Jordan, appelez le 911, s'il vous plaît. Et pourquoi moi ? Non, c'est vrai que s'ils entendent votre accent, ils se déplaceront probablement pas. Bah oui, Attends, quoi ? Ou alors ? Quoi ? Justement, il y a un afro-américain dans les... Dans les studios qui se déplacent au milieu de la nuit. Peut-être que ça va se déplacer très vite. Nous n'aurons pas les pompiers, Mitchell. Bon, vous arrêtez tout de suite. Hein. C'est les pompiers que nous voulons, pas la police. Très bien, je m'en charge. Mais pourquoi tu appelles pas juste le réel en lui disant oh oh, il y a le feu ? T'as le numéro ? Parce que là, tu vas faire venir les pompiers pour rien, mais tu fais venir les pompiers, qui c'est qui le prévient ? L'un puis l'autre, Sixtine, l'un puis l'autre. Quand il verra les camions arriver, les sirènes, ça alertera d'autant plus. Et puis, franchement, tu vas parler à Bobby sur un autre ton quand même. Mais Jojo, tu vois bien que c'est pas logique, le plan. Caserne du district 8, Hollywood, bonjour. Oui, bonjour. Je suis à un incendie au studio 54. 52. 52. Le studio Universal. Combien de personnes présentes ? Quelle est la source du feu ? Probablement un incident électrique, on a vu plusieurs projecteurs tomber. D'accord, on a l'habitude du studio 52. On a l'habitude du studio 52. Salma Hayek sur place. Bon, ça reste, il y a une personne sur place. D'accord, très bien. On se déplace. Je raccroche et j'appelle Carbonara. Le réalisateur Scapelli. Scapelli, en 7 lettres. Monsieur Scapelli. Écoutez, je suis là, je prends vraiment mon meilleur acting pour jouer l'air. D'accord, tu peux faire le show. Vas-y, fais-le.
Ou tu veux faire ton jet de social avant pour adapter ton RP. Selon comment t'as réussi ou pas. Écoutez, c'est horrible. Un incendie s'est déclaré à proximité de votre studio. Il semblerait que le décor soit mis à mal. Les bobines vont peut-être même brûler. Les bobines. Mais qu'est-ce que vous me racontez ? On travaille plus avec des bobines depuis longtemps. Les serveurs, vous voulez dire ? C'est les serveurs, qui sont touchés. Vous savez, c'est plein de minerais rares. C'est hautement combustible. Bon, on va venir le plus rapidement possible. On est en train de tenter de faire une sauvegarde d'urgence. Oui, bon, je me dépêche. Je viens. Vous avez appelé les pompiers ? Bien évidemment, ils sont en route. Très bien. Parfait. Pompiers en priorité, hein. On arrive. Mais pourquoi on a appelé les pompiers, en fait ? On est cons. Mais qu'est-ce que je dis depuis tout à l'heure ? Sixtine, pour qu'ils voient les camions et qu'ils prennent le sérieux de la situation. Sixtine, tu te calmes, d'accord ? Bobby, t'as déjà mis un coup de proton. J'ai pas envie qu'il recommence, ok ? Oui, attention, tu dois être un peu fou. Attention, parce que vous êtes tous douteux. Hein. En plus, ça, vous avez vraiment une logique... C'est quoi ? J'ai envie de faire un appel à la commu. Mitchell et moi, t'as sauvé la vie, ok ? Et je t'ai sauvé la vie en caleçon. Et en caleçon avec des cœurs. Et c'est toi, même pas t'es en caleçon ? Et l'autre, il avait ses jambes entre mes mains. Non, mes jambes entre ses mains. Il t'a ramené à la vie. Il fallait faire redescendre le sol. C'est une technique de premier secours. Tu lui as même pas dit merci, ingrate. T'as vu mes cheveux ? Non, mais je fais pas ça pour la reconnaissance. Eh ben, mets du mucus de fantôme. Ça aide vachement. On peut faire des soins avec. N'importe quoi. Va sortir sa gamme de cosmétiques. C'est son nouveau projet à Jojo. Ouais. Vous mangez en attendant que les pompiers arrivent. Au bout d'un moment, les pompiers arrivent. Les gardiens, d'ailleurs, ont mis un petit temps et puis ils ont laissé passer les pompiers. Et vous avez Thompson qui arrive en même temps que les pompiers. Mais c'est quoi ce bordel là ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans là ? On a maîtrisé la situation. Pas, commencé à faire un départ de feu qu'on a éteint pour la crédibilité. Moi, j'ai commencé à jouer avec des fils pour faire 2-3 étincelles et. Ok. Fais-moi un test. Qu'est-ce que ça va être comme test pour faire ce genre de bricolage ? Je sais bidouiller des trucs, hein. Ouais, bah, test de mental avec tous les bonus que tu peux mettre, du coup. Ok. Donc je suis à 13 moins 1, 12 plus 5, 17. 17, très bien. T'as réussi à faire un petit départ de feu et à le maîtriser derrière et à l'éteindre même, c'est ça ? Tu l'éteins ou tu le laisses un peu quand même présent ? Je le laisse juste fumer un peu. Ok, très bien. Donc tu vous indiquez aux pompiers qui arrivent, qui font bon ça va, c'est pas trop gros, puis qui commencent à éteindre le truc. Bon, fin de l'alerte, ça dure à tout péter 10 minutes. Allez, 15 minutes parce qu'il y a les procédures quand même à remplir. Et puis. Vous voyez au bout de ces 15 minutes arriver le réalisateur qui est alors, c'est métallisé, tout va bien, les serveurs ne sont pas touchés. Calmez-vous, monsieur Scapelli, calmez-vous, heureusement. De toutes les situations. Il va falloir revoir vos branchements et vos connexions, monsieur Scapelli, j'ai 2-3 choses à vous montrer. Hein. On sera obligé de vous facturer la maîtrise d'incendie, mais néanmoins, tout est sous contrôle, tout est safe. Très bien, vous voyez qu'il a un sac à dos avec lui. Voilà, il a son sac à dos, il a toujours sa casquette de réalisateur avec écrit réalisateur Scapelli en dessous. Voilà. Je vais attraper son sac à dos sans ménagement. C'était le nécessaire pour faire les sauvegardes, c'est ça ? Vous avez tout ce qu'il faut. Mais lâchez-moi. Ça, c'est bien, vous êtes venu préparé et tout. Je commence à. Hop. Tout en le baratinant. Tu vois que d'une manière assez surnaturelle, il a son bras qui fait. Et qui chope le manuscrit, le script, et qu'il prend avec lui comme ça. Il fait mais vous n'avez pas le droit de fouiller dans les affaires. Les pompiers commencent à s'en aller. Bon, on a fini, on s'en va. C'est bonne soirée, monsieur. Merci pour la réactivité. Merci beaucoup. Écoutez, monsieur Scapelli. Vous êtes désormais sur une scène de crime surnaturel. Nous avons donc toute possibilité de saisir des éventuelles pièces à conviction dans l'affaire en cours. Nous sommes assermentés, nous suivons des procédures établies en cohérence avec le gouvernement
et je vous prie de nous les mettre à disposition le dit script, puisque celui-ci peut être impliqué dans un cas surnaturel. Et l'autorité qui m'est conférée par la haute cour. Trop de morts! Et là, je fais. Attends, moi, je crie en regardant le bas du script, je fais. Ah! Vous prenez feu! Vous prenez feu! Il regarde en bas, il fait. C'est... Ouais, et là, du coup, j'essaie d'attraper le script de lui. Du... Ok, j'ai fait un jet physique. Jet physique. Bah, vous pouvez vous mettre à deux. Test physique, ok. Ça marche. Physique, je suis hyper balèze. Allez, je suis balèze. Attends, j'ai pas un truc pour me. J'ai mal à droite et je le marche sur le pied en m'approchant pour lui prendre. Donc, je lui écrase un orteil terriblement. Est-ce que je peux pas faire ça? C'est pas une compétence, mal à droite. C'est handicapant. Bon, bah, mais vas-y, fais ton jet de physique. Mitchell aussi, fais ton jet de physique. J'ai fait malheureusement 9. Oh, mais c'est pas vrai. Bah, moi j'ai avec fait 4, bonus. 4 moins 2. Avec bonus de plus 5. Il a l'air d'avoir les mains qui sont rivées sur le manuscrit. Il ne le lâche pas. Coup de proton sur le script. Assommez-le! Assommez-le! Il risque que le coup de proton touche un être vivant. On a compris que c'était pas létal. Je peux pas frapper un. Vous pouvez faire un autre jet de force, Mitchell et Sixteen. Imaginez, il a un petit cœur. Je lâche pas, on lâche rien. Oui, 18 moins 2. 16. 18 moins 2. 10. J'ai tout cramé tout à l'heure. Ok. Vous remarquez que d'ailleurs, dans les environs immédiats, le fantôme de Johnny. Johnny a disparu. En tout cas, déjà avec les pompiers, il se montrait beaucoup moins. Mais là, maintenant que les pompiers sont partis, il aurait pu se montrer, mais dans les environs immédiats, il a l'air de ne pas pouvoir. Bah ouais, il nous a dit qu'il pouvait pas s'approcher de lui. Sixteen, Mitchell, toi tu n'y arrives pas, tes mains glissent. Sixteen, toi tu parviens à te saisir du manuscrit et vous êtes tous les deux comme ça avec le manuscrit dans les mains à tirer l'un vers l'autre, etc. Faites-lui des chatouilles pour qu'il lâche. Et eh bien tu... Proton dans les roustons. En fait, vous lâchez en même temps, le manuscrit tombe au milieu. Ah. Et au moment où le manuscrit est lâché, vous voyez apparaître, sortant de ce manuscrit... Vous voyez sortir de ce manuscrit un homme d'environ une quarantaine d'années, se matérialiser au-dessus du manuscrit, un style à la Peaky Blinders, et particulièrement élégant... Avec un costume, un manteau qui tombe très bas. Il doit avoir à peu près, la quarantaine, légèrement passée. Les cheveux ramenés en arrière. Il a juste un chapeau sur sa tête. Et tandis qu'il semble prendre consistance, se penche et ramasse le script. Waouh. Eh bien... Qu'avons-nous là? Vous avez, semble-t-il, trouvé la combine. Vous ne m'empêcherez pas de m'occuper des prochains réalisateurs qui s'attaqueront à ce film. À mon histoire. Oh, Trouli! Là, je prends mon pack à proton. Je dis, la seule histoire qui vaut la peine d'être racontée, c'est celle de Jésus-Christ. Et je dis à tout le monde, mettez la dose. Et moi je dis, attendez, non. Alors Basile, Bobby, tu utilises ton pack à proton, tu le mets à combien? Je le mets à 100 en espérant que quelqu'un me suive et mette à 100. Je suis doué pour suivre les instructions. Mais non, mais je dis, mais attendez, il faut parler avec lui. 100%. Attendez. Je te demande un test de pression, idem pour. Un test de courage, idem pour Mitchell, sachant que je rappelle, hein, la pression rajoute un malus. Échec critique. Oh yes. Tu prends un point de pression. J'ai fait moins 3. Bon. Ah bah. les deux jets, pas du tout coordonnés, partent à droite et à gauche. Tandis que...
Alors, Mélie, toi, tu fais quoi? Moi, j'étais là encore en train de dire oh, faut qu'on parle, arrêtez-vous! Je me remets, je me jette encore devant lui. Là, ils t'ont même raté avec le jet, du coup, tu tombes juste par terre lourdement. Sinon, elle prenait 200% dans les gencives quand même. Là, je suis pas sûr qu'elle s'en sortait là. Est-ce qu'on peut prendre le temps de discuter? Oh, Jésus-Christ n'est pas pressé, il est déjà mort. Laisse-le tranquille, 2 secondes. Vous voyez que, en fait... Jordan, baillonnez-moi la petite, s'il vous plaît. Maintenant que Scapelli n'est plus possédé, vous voyez qu'il est tombé au sol et qu'il est inconscient. Bon. Allez, alors, Monsieur Trouli, je suis par terre, comme ça, je le regarde. Monsieur Trouli, pourquoi vous ne voulez pas que votre histoire soit racontée au cinéma? Mon histoire? Au cinéma? Votre parodie de cinéma avec du son, etc. J'essaie d'aller discrètement derrière lui. Je vais discrètement derrière lui. Quand j'ai essayé de mon côté de m'adapter à ce nouveau monde qui m'a foncièrement rejeté, est-ce que vous croyez vraiment que j'ai envie de voir quiconque raconter véritablement mon histoire et se faire de l'argent sur mon dos alors que je n'ai même pas pu jouer pour un film en dehors du muet? Non, mais mon objectif, c'est avant tout de voir sombrer dans la folie les réalisateurs qui ont cette ambition de détruire des carrières que je n'ai pas pu avoir. Parce que vous trouvez que la vengeance, c'est un truc cool? Fais-moi un test de physique, Jordan, pour la discussion. Parce que, vraiment, c'est tellement... En même temps, c'est un cas un peu spécial. Pourquoi? La vengeance est peut-être pas cool, mais au moins elle me fait vivre. Bah non, vous êtes pas vraiment vivant, hein. Quel est l'intérêt pour vous de rester dans cet 11. État-là? Tu as fait 11. Tu vois qu'il se retourne, qu'il te voit arriver à ce moment-là, mais cela ouvre une fenêtre pour les autres qui peuvent peut-être réagir à ce moment-là. Au moment où je vois qu'il se retourne, tu sais, je me mets en posture de bachata, d'un coup je fais hey. Hey. Yeah. Oh, mon caleçon au cœur. Fais un test de social s'il te plaît. Ça fera 13. Il est intrigué. Vous feriez bien une petite danse, mon petit gars, hein. Il est intrigué par tout ça. Bobby, Mitchell, nouveau jet. Liquidez-le maintenant. Moi, je continue à lui parler. Monsieur Trouli, pourquoi ne pas rester sur vos beaux succès dans le cinéma muet? Pourquoi ne pas garder ça en vous et laisser de vous une belle image plutôt que de la détériorer en faisant tout ce que vous faites? Peut-être que le monde du cinéma n'a pas été gentil avec vous. Peut-être que le monde du cinéma vous a fait souffrir. Mais en tout cas, nous, on a encore une belle image de vous. Le monologue. Alors qu'en plus, elle sait pas du tout de quoi elle parle parce qu'elle l'a jamais vu. Et le cinéma croit en vous, monsieur Trouli. J'ai Sixtine. Sixtine, la ferme, y a trop de mots. Et je lui dis, il a buté 3 personnes. Qu'est-ce que tu crois en tirer? Prends ton proton, bordel. Moi, je vais prier avec ferveur une nouvelle fois. Tiens. Ok. J'ai pas de proton, moi. T'as l'impression, du coup, Bobby? J'en ai 4. Ah, il t'en manque juste un. Bah ouais, c'est automatiquement, c'est dommage. Mais là, et ben là, on a pas fait de test de courage, là, non? Pardon. Moi, j'ai fait 13 sur le test de courage. Ok, donc là, t'as moins un par rapport à une pression. Non, c'est celui que tu as demandé pour cette action-là. Ah, pour cette action-là, donc là, ouais. T'es à 12, quoi, du coup. Ouais. Donc, avec 4 de pression et moins 5 de courage et 10 au dé. Courage, pas du tout, je suis à 15, 14. 14. T'as fait 1 avec Bobby? Bah, si j'ai moins 5 en courage, si j'ai 4 points de pression, ça me fait encore moins 4. Ouais. Donc, comme j'ai fait 10 au dé. Ok. Ok, mais oui, tu peux effectivement prier avec ferveur, hein. De toute façon, ça je te l'autorise, mais bon. Là, ça ne suffira quand même pas. Avec ferveur, mais ça du coup à moins que tu sacrifies vraiment, ouais, même si tu sacrifies mental et social, à mon avis, t'arriveras pas j'arrive à 11. Ouais, non, c'est pas suffisant. Du coup, vous regagnez tous les deux un point de pression.
L'action est compliquée, vous balancez vos jets, vous n'arrivez pas à l'atteindre, ou il y en a un qui arrive à le saisir, mais assez rapidement, vous voyez qu'il fait un geste des bras et qu'il brise cette entrave que vous faites. Sixteen, toi, ton discours. Est-ce que je finis, monsieur, il faut croire à la rédemption. Vous pouvez encore faire une belle action. Tu gueules par-dessus les explosions littéralement qu'il y a sur le plateau. Tu vois qu'il ne t'écoute pas, qu'il a l'air de ne pas te prêter attention. Et au moment où t'as l'impression qu'il ne te prête pas attention, t'as quand même sa tête qui tourne à 180 degrés pour te regarder. Et qui te dit: mon image, elle a déjà disparu. Je ne suis diffusé nulle part. Et il se retourne et à nouveau, on est toujours sur la même sur le même bordel d'action. Mais monsieur Trulli, moi et ma réputation, moi et ma célébrité, on pourrait vous faire revivre. Tu t'entêtes à vouloir lui parler, à pas vouloir utiliser pack à proton. Mais moi j'en ai pas, je crois. C'est pour ça. Moi, en tant que stagiaire, j'ai pas l'habilitation. J'ai pas le pack à neutrons, non? Donc tu le déstabilises. Je t'invite à faire un test de social. Potentiellement, ça pourra accorder un bonus à tes camarades. Je vais du coup, moi, quand je vois que ça devient compliqué, là, je vais balancer une prison proche de Sixteen et je vais prendre mon proton aussi pour essayer de les aider. Ok, ça marche. Donc, 3 jets de courage. 13 plus 4, du 7. Du 7, superbe. En social. Vous avez un bonus, vous autres, sur le degré de difficulté à atteindre. Donc, je vous invite à refaire un test, sachant que Bobby, j'imagine que toi, tu vas pouvoir faire un... Moi, j'ai tellement foiré que je passe en réussite automatique. Alors, évidemment, à la phrase de bien connue, tandis que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, me permet de lâcher la pression. Donc, tu décharges la pression complètement sur cet adversaire. Tu parviens à l'atteindre avec ton rayon. Mitchell. Test de courage. Ouais. Moi aussi. Oui. 14 plus 2, 16 moins 2, 14. 14, très bien. Tu parviens à l'atteindre aussi avec ton jet à proton. 14 aussi. 14 également, ça suffit. Les 3 rayons l'atteignent. Vous aviez mis combien de pourcentage? Moi j'avais mis 100. 100 aussi. 100. Donc il a pris 300% dans la gueule. Et moi j'étais pas très loin, hein. J'étais à ses pieds, les gars. Hein, donc, 300%, vous voyez qu'il est. Il est sur place, il est en train de vouloir résister à tout prix. Sixteen, le piège. Sixteen. Vous ne m'aurez pas. Sixteen. Sixteen. J'essaie de me barrer en même temps, mais je vais me faire rattraper, non, par la boule de proton. Non, ça, c'est en fait c'est des rayons qui entourent la silhouette. Toi t'es pas atteinte par ça. Ah, je croyais qu'il disait que si tu mettais trop fort, ça pouvait dégrader l'environnement autour. Non, c'est s'il croise les rayons. Ah, d'accord. Sixteen, prends la prison et lance-lui, bordel. Eh ben, je m'approche, j'attrape la prison et j'ai... Effectivement, vous êtes bon à rien. Fais un test de courage, s'il te plaît, pour utiliser la prison. Mais bien sûr. Là, c'est vraiment une preuve de... confiance de mon équipe. Non, une preuve de confiance de mon équipe. Parce que du coup, courage, je fais 5 plus 5, je fais 10. 10? Ok. Ouais, 10 seulement. Tu ne vois rien. Et pff, tu me l'as fait tomber dessus. Désolé, je suis maladroite. En fait, tu l'as lancée, mais elle est un petit peu décalée. Ouais, j'ai lancé à côté. Tu es en face. Du coup, tu dois un peu retirer sur le câble. Il doit tenir un poil plus longtemps. Et réorienter un peu le rayon pour l'amener là-bas. Désolé les gars, désolé, je fais de mon mieux. Et vous voyez donc la prison qui s'ouvre, la silhouette qui commence à être absorbée. Génial. Vous sentez que ça a du mal, hein. La prison va pas en contenir deux comme lui. Et tandis qu'il rentre dans la prison, vous voyez le manuscrit. Un vieux manuscrit, maintenant que vous le voyez mieux, un vieux manuscrit à la couverture rouge, craquelé, qui, en cuir craquelé, qui progressivement commence à se consumer. Et une fois qu'il rentre complètement dans la prison, il n'y a plus qu'un petit nuage de cendres qui retombe au sol.
Comme je l'ai écrit dans mon livre, tout était lié. C'est bien Sixtine qui l'a capturé, le 7. Eh oui, Sixtine, 1, plus 6, 7, Sixtine, 7 lettres. Et ça, tu l'avais écrit à quelle page? Ouais, bah écoutez, du coup, moi, je me redresse comme ça, je suis dans ma robe qui est légèrement déchirée, mais j'ai quand même mon jean en dessous. Je prends mon téléphone pour faire une vidéo, je m'arrête. Je me remets d'abord du gloss parce que quand j'ai vu mes cheveux, je me dis qu'il faut quand même pallier à tout ça. Je fais une vidéo et j'appelle Johnny. Ah oui. Johnny, viens voir. Johnny qui apparaît et qui fait « Ça y est, je peux être là en même temps que Scapelli ?» Parce qu'il est plus là, Scapelli. Ouais. Le script est détruit ? Ouais, oui. Vous pouvez partir vers une vie meilleure. Il se voit là ? Un Pierre vous attend, Johnny. Johnny, on le voit à l'image ou pas ? Ouais. On le voit à l'image, Johnny. Je dis, bah voilà, papa, j'espère que t'es fier de moi. Regarde, on a libéré Johnny. Voilà. Mmh. Bah, grâce au travail de toute l'équipe et d'un super beau discours que j'ai dit. Et allez voir Recall. Du coup, quand il passera au cinéma ? Bon, allez, il est temps pour toi de rentrer chez toi, Johnny. Ouais, bah, il va falloir d'abord finir mon film. Eh ben, on va finir le film et... Sixtine, je propose que vous deveniez réalisatrice. Vous semblez avoir un don pour l'image. Votre père financera sûrement ça avec grand plaisir. Malheureusement, avec beaucoup de déception, vous ne pourrez pas rester dans l'équipe car ce sera un emploi à plein temps. C'est beaucoup trop prise pour rester auprès de nous. Je pense que l'image est votre vocation. Mais je pense aussi, c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée et j'apprécie que vous partagiez ça avec moi parce que vraiment, je sais à quel point je vais manquer à cette équipe et que c'est un sacrifice pour vous de me laisser partir pour réaliser un rêve. C'est beau ce que je dis, décidément. Je suis presque comme Abraham menant son fils au sacrifice. Et je suis en train de chialer, mais c'est pas des larmes de joie. Hein. Vous avez ce qui se réveille et qui, dans un premier temps, voit les cendres du script et juste après, il réagit et semble dire libre. Yes, we're libre. Ouais, mais vous allez m'aider à finir le film de Johnny. Sous contrat. Enfin, il ne va plus habiter mes rêves les plus sombres. Il a disparu. Ouais, mais vous allez m'aider à finir le film de Johnny, s'il vous plaît. Comme ça, Johnny sera libre aussi. Johnny Sue. Oui, regardez, il est là. Il tombe dans les pommes. Bon, bah mince alors. Bref, c'est sur cette scène que va se terminer notre scénario. Pour donner un petit peu de suite à cette idée, l'agence de Hollywood a brillé hein, après cela. Elle a pu notamment s'entendre avec le gardien Thompson qui a pu leur faire un petit tour des studios. Ils ont pu repérer le fantôme de Marilyn Monroe qui de temps en temps lâche un petit pou-pou-pilou dans un des studios. Ils ont pu entendre également des fois le carillon de Sergio Leone retentir sur certaines scènes et du coup faire fleurir leur tourisme macabre et en même temps intervenir dans les studios quand les fantômes étaient un petit peu dérangeants. Voilà, donc pour eux ça a bien marché. Pour Sixtine, de son côté, elle a pu participer avec le réalisateur Antonio Scapelli au retravail de la réalisation de l'époque, donc de Recall avec Johnny Sue en star de ce film pour enfin la sortir dans les salles, suivi de Recall 2, le reboot et la suite de Recall avec les acteurs et le travail d'Antonio Scapelli. Merci à tous d'avoir participé à ce jeu et à ce scénario Ghostbusters ce soir. Merci. Scénario qui s'appelait Le Studio Maudit. Waouh, qui a failli s'appeler Le Script Maudit, mais c'était un peu trop vendu. Oh, donc. Obvious, ouais. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup. À vous dans le chat, à vous derrière votre écran. Oui, ça vous a plu.
Oui. C'est au chat ou à nous? Oui, à nous. Oui. À tout le monde. Oui. Oui. J'aime Parfait. Beaucoup. J'aime beaucoup jouer Sixtine. Si un jour tu veux la faire revenir dans un autre jeu. Elle est mutée. Les agences se la passent. Oui, sera la bienvenue. Comme le papa. Le papa, il finance beaucoup de choses. Et ben, elle va faire des stages un peu partout. Non, mais parce que sa carrière au cinéma va pas durer longtemps. On a d'autres concepts sur la chaîne, il y a moyen qu'une Sixtine puisse revenir. Des crossovers entre les concepts. On fera des crossovers, il n'y a pas de souci. J'espère que ça vous a plu, effectivement, moi je vous remercie encore d'avoir participé à ça. C'était vraiment superbe, vous avez apporté un roleplay magnifique, chacun à votre manière. Pour ceux qui nous regardent sur YouTube, eh bien, les règles seront disponibles via notre Patreon. N'hésitez pas à aller vous rendre sur notre page Patreon. Les règles seront disponibles au téléchargement pour un mois d'abonnement au Patreon. Voilà, il vous suffit de prendre le premier abonnement du Patreon pour que cela soit disponible. Voilà, c'est pas grand-chose, mais ça nous soutient. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller chercher les règles de ce Patreon. Et puis, il est possible que le scénario sorte également dans un second temps et que vous puissiez le télécharger avec les fiches de personnages pour pouvoir les rejouer également chez vous. Vous verrez qu'il y a certaines subtilités qui n'ont pas été jouées ce soir, puisque Actual Play oblige, on a essayé de tenir dans un pas de temps certain. Le scénario est censé tenir un peu plus longtemps pour une séance de 4 heures, je dirais. Donc vous avez quelques petites subtilités que vous pourrez faire jouer chez vous, de votre côté. Voilà, d'ici on va pouvoir repasser en plus à parler de vous, chers amis, chers invités. Peut-être redire un petit peu votre actualité, où on peut vous retrouver. Et puis après, il ne nous restera plus qu'à nous quitter. Et bien pour cela, je propose que Mélie, tu commences. Encore? Tu veux pas faire un sens inverse? On peut faire le sens inverse. Basile! Oui! Bah, très rapidement, pour faire un peu de teasing, on prépare des choses inédites sur la chaîne du jamais vu qu'on va tourner la semaine prochaine et on espère que ce sera réussi et que vous apprécierez. La semaine d'après. Tout à fait, pardon. J'ai tellement hâte, c'est pour ça. Ce ne sera pas en live, je tiens à préciser. Ce ne sera pas en live, ce sera uniquement sur la chaîne YouTube. Mais vous pourrez effectivement trouver de nouveaux concepts, peut-être un peu plus sérieux que ce que vous avez pu rencontrer sur la chaîne jusqu'à présent, et avec une technique toute différente. Je ne vais pas vous en dire plus. Voilà. Bigby, de ton côté. Eh bien, moi déjà, merci de m'avoir invité, c'était trop cool, j'ai adoré jouer avec vous. Petit big up aux Biggies dans le chat, vous êtes trop cool, vous m'avez fait trop rire. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Et niveau actualité, moi pas grand chose, je stream un peu comme je peux puisque j'ai un travail à temps plein, mais je stream quand même régulièrement, donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux pour savoir quand je stream, notamment Insta. Et vendredi, à partir de 18h, on fêtera mes modestes 300 follow pour un live horreur et ça va être très rigolo parce que je vais me chier dessus. Tu mettras un caleçon de cœur. On me demande qu'à voir ça. Merci. Petit shout-out aussi pour le MJ Masqué qui va être juste après. J'avais pas encore fait de shout-out pour le MJ Masqué. Je vais vous remettre quand même la chaîne aussi de Bigby pour que vous puissiez aller la follow, évidemment. Merci encore, Bigby, de t'être prêté à ce jeu et de nous avoir offert un Mitchell plus vrai que nature. Voilà. Elle a fusionné avec la moustache, hein. Ouais. Elle l'accent plus, hein. Superbe, la moustache tient. La moustache tient super bien. La moustache tient bien. Et un accent du sud que vous aurez reconnu comme étant l'accent du Texas, hein, évidemment. Maîtrisé à la perfection. Génial. MJ Masqué, cher ami. Eh bien, écoutez, merci encore une fois pour l'invitation. C'était très cool, je me suis bien amusé. N'hésitez pas à venir voir sur ma chaîne si vous aimez le jeu de rôle, vous voulez voir la vulgarisation de jeu de rôle. C'est avec grand plaisir, on fait plein de choses, de l'humour, des courts-métrages, des conseils de jeux, des actual plays, plein d'autres choses. Et puis sinon, niveau actualité, d'ici quelques temps, nous allons avoir la campagne chronokinésie qui va sortir sur la Bonne Auberge, que je masterise. Et j'ai très hâte de vous présenter ce projet qu'on a porté et qui a été beaucoup de travail. Je suis très content. Donc voilà, et puis sinon, plein de bisous et plein d'amour, voilà. On peut te retrouver aussi, si je dis pas de bêtises, de temps en temps, chez les copains du studio 4D2, non?
Totalement, totalement. Là, on a élaboré un tout nouveau studio, donc qui est en cours de finition. On a hâte aussi de vous le présenter. Il y aura sûrement des campagnes que je vais mener là-bas et plein d'autres projets qui vont être mis en place. Donc suivez l'actualité du studio 4D2 qui va revenir très prochainement aussi. Ça va être très cool. Super. N'hésitez pas à aller follow le MJ Masqué, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Twitch. Voilà, il a des idées de concept. Je pense qu'il y a un nombre d'idées de concept à la minute qui dépasse l'entendement. C'est toujours super bien réalisé, une qualité graphique qui est aux petits oignons. Allez-y, les yeux fermés, je vous recommande. Yes, mec, merci beaucoup. Si je peux merci dire. Beaucoup. Et pour finir, Mélie. Oui, merci encore pour cette invitation. J'ai passé une super soirée. Je me suis vraiment amusée. Je me suis régalée, même, j'ai envie de dire. Écoutez, ben moi, je suis visible sur. Je fais partie des joueurs de la table de Roll and Play sur la chaîne YouTube Roll and Play. Où on est sur une nouvelle campagne, donc c'est l'arc 2 de cette nouvelle campagne qui s'appelle L'Ombre des 12. Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de regarder les 10 saisons d'avant pour suivre cette campagne-là si vous voulez découvrir. Il y a déjà 3 campagnes donc sur la chaîne YouTube. Plus des one-shots sur plein d'autres jeux parce qu'on joue avec le jeu Roll and Play. Voilà, quoi vous dire d'autre. Moi, j'ai ma chaîne Twitch aussi. Je pense jamais en parler parce que ça fait. Bah oui, mais ça va faire à peu près un an que j'ai pas été. Fait en décembre. En décembre, j'avais fait avec Valentin de Geek Fabula. Et voilà où je faisais. Oui, gros bisous Valentin. Ce que j'adore, c'est recevoir des gens en interview parce que j'y pense à ça parce que du coup Bibi dit j'ai un travail à temps plein et je stream quand je peux. Et ouais, parce qu'en fait, dans ce milieu du jeu de rôle, on a tous des métiers et on se retrouve tous quand même pour partager cette passion du jeu de rôle. Et je suis fascinée par les histoires de vie des gens. À savoir d'où ils viennent, comment ils sont tombés dans le JDR, qu'est-ce qu'ils font à côté, comment. Et on se rend compte que tout le monde vient de plein de milieux très différents et qu'en fait, le jeu de rôle, ça rassemble. Ça rassemble des gens qui potentiellement dans la vie se seraient peut-être même pas croisés. Et voilà, je trouve ça merveilleux. Donc voilà, j'ai eu pas mal. Donc sur ma chaîne Twitch, elles sont enregistrées, je crois, les émissions. Si vous voulez regarder les interviews, j'ai reçu quand même 2-3 personnes. Bon, les copains de Roll and Play, ok, mais il y a aussi d'autres personnes. Il y a aussi plein d'autres personnes du milieu du jeu de rôle. Ma première, ça a été donc Kyriel. J'espère que vous connaissez sa chaîne. Voilà, qui est une super jeune femme. Pleine de pétillance et de tout ce qu'elle fait, c'est super. Donc je vous recommande aussi. Et tout ça pour dire que Kyr, elle a une vie à côté qui est incroyable aussi. Et donc vous pouvez découvrir tout ça. Cœur sandwich, j'ai trop parlé, désolé. Merci à toi, merci beaucoup d'avoir participé et merci pour ce que tu fais, hein, parce que effectivement tes petites interviews sont très très cool. On connaît très bien Kyriel, elle est passée plusieurs fois sur cette chaîne, c'est une amie, donc n'hésitez pas aussi à aller suivre Kyriel. Merci à tous, encore une fois, d'avoir participé à ce live. On va redire un petit peu les actualités de la chaîne rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc nous, les Dés sont jetés, on est une chaîne de jeux de rôle sur YouTube, donc une chaîne de jeux de rôle où on a l'habitude de dire que ce sont les dés, les maîtres de la destinée. En vrai, on s'amuse bien à la tordre un peu aussi la destinée de temps en temps, hein. Mais bon. Et donc vous pouvez nous retrouver sur YouTube sur des aventures un peu diverses et variées. Il y a de l'Heroic Fantasy sur une aventure principale qui s'appelle les aventures en Terre de Rune. Et puis il y a ensuite également du Monster of the Week avec Basile en MJ sur une belle bande de copains, la bande de 4L, qui est 4 amis dont le prénom commence par un L, qui sont un petit peu monstrueux et qui résolvent des enquêtes, ça fait un peu penser à du Scooby-Doo. Si vous voulez vous amuser, et puis on a plein de concepts comme celui que vous avez pu voir ce soir qui sont disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et puis d'ici là, prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les dés sont jetés. J'espère que vous allez faire de beaux rêves, avec quelques fantômes, mais des fantômes gentils quand même. Voilà. Donc des beaux rêves, de gros bisous à vous. Ciao ciao les amis. Bonne soirée.